Salut tout le monde, ici Capitaine Flamme. On se retrouve aujourd'hui pour le setup de l'Alpina 110 2017 en full N200. Donc le setup que je vais vous présenter sera aussi valable pour le N300 et EDP N300. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. On va faire un petit tour sur la piste et je vous fais voir le setup par la suite. À tout à l'heure. Je vous fais voir le setup de Alpina 110 2017, donc en full N200, donc avec une puissance max de 249 chevaux et un poids à 970 kg. Voilà, ce qui donne une vitesse max de 5,9, là selon les circuits bien sûr, ça, une accélération à 4,9 et freinage 3, virage 3,2 et stabilité 4,7. Hein, donc je trouvais ça intéressant de vous la présenter en N200, en full N200, voilà, très compétitive. Voilà, donc bien sûr, ce réglage est aussi valable pour le EDP N300 et N300. Donc en N300, sera un peu plus dur, hein, évidemment, étant donné qu'il y aura plus de chevaux, mais elle se conduit très bien quand même. Hein. Voilà, donc je vous présente le setup. Donc au niveau de la garde au sol, 115 à l'avant, 130 à l'arrière. Donc quand même, voilà, ne mettez pas trop bas au niveau de la hauteur de caisse, sinon elle sera instable. Donc 115, c'est parfait. Voilà, elle est stable et maniable comme ça. Et 130 un peu plus de hauteur au niveau de l'arrière, pas trop quand même, sinon on risque de survirer et décrocher. Donc 130 c'est parfait. Au niveau de la fréquence naturelle, donc pas trop mou ni trop dur, 1,80 et 1,95 derrière. Donc faites attention, ne mettez pas une fréquence naturelle trop faible, sinon elle sera stable de l'avant. Voilà, et un peu plus dur derrière. Voilà, hein, donc pour une bonne entrée en virage. Donc pareil, ne mettez pas trop dur non plus, sinon elle survira de l'arrière. Donc 1,95, parfait. En ce qui concerne la barre anti-roulis, donc 10 à l'avant, raide, et beaucoup plus souple à l'arrière pour éviter le survirage. Donc à 5. Au niveau de la compression, donc 61 à l'avant et 62 à l'arrière. En ce qui concerne le rebond, 91. Et 91 à l'arrière. Hein, voilà, ce qui donne 61, 91, 62, 91. Voilà. Au niveau du carrossage, donc j'ai mis quand même pas mal de carrossage là, hein, parce que sinon je trouvais que voilà, elle avait pas trop de grippe, donc 3,5 c'est parfait comme ça, et 4,5 à l'arrière hein, pour éviter le survirage, pareil. Voilà. Sans carrossage, je trouve que voilà, c'est une voiture qui a pas trop de grippe au niveau des circuits, donc. Voilà, 3,5, 4,5. Au niveau de donc l'alignement, donc moins 0,30 pour le grip et plus 0,50 pour la stabilité. Pareil, là, nickel. Au niveau du couple, donc 10, accélération 10, en freinage 30. Voilà. Moi, j'ai mis une sensibilité de freinage peu agressive, donc hein, voilà, certains diront elle freine lentement. Voilà, mais c'est pour préserver. Donc la vitesse en entrée de virage, hein, voilà, sans couper la vitesse. Donc 30, ça me convenait bien. Bon, après, vous pourrez baisser, mettre à 20 ou 15, vous verrez par vous-même ça. Hein, voilà. Donc avec une boîte voilà, que j'ai fait à la va-vite. Hein.
Donc je trouvais cette caisse vraiment très intéressante, très sympa à conduire. Voilà, elle n'est pas forcément facile, mais bon, c'est pas la plus dure non plus, donc elle reste très compétitive. Donc voilà, je vous présente cette caisse, j'espère que ce setup vous plaira, puis je vous dis à bientôt sur ma page YouTube setup gtsport.fr. Allez, salut tout le monde!